Amis et fils, bonsoir. Nous entendons cette 24e journée épique avec mon man repéré au centre Guy Desmarais à Floréal. Nous commençons la première course avec Starsky qui finit bien ménagé par son entourage et qui finit rapproché de sa forme optimale. Blunderbuss finit bien assimilé sur ban workouts et l'IP commence à retrouver graduellement sur ban moyen. Alors qui biométrique finit travail en net progrès et sa forme finit évoluer positivement par la suite. Dans la deuxième course, Maroula finit bien prendre ce dernier les courses et il est dans une très bonne forme actuellement. Remus finit bien récupérer par rapport à ses débuts et il finit même progresser davantage. High Voltage paraît une bien pick-up à Floréal et il affiche une stabilité concernant ses conditions. Dans la troisième course, Moschino finit maintenu principalement l'eau sous fraîcheur physique et il est toujours bien dans ce lapeau. Taking Silk, an improving sort qui finit améliorer davantage ses conditions depuis ce dernier les courses. Protea Paradise finit travailler que légèrement mais il paraît dans une bonne condition physique en ce moment. Dans la quatrième course, Demi Verrain finit patiemment entraîné et finit démontrer un signe de progrès évident ces derniers temps. Charleston Hero finit bien prendre sa dernière participation et y affiche toujours une forme satisfaisante. Prince of Venice finit récupérer assez rapidement et n'est pas paré de finir subir de baisse de conditions. Dans la cinquième course, Etch in Blue finit bénéficier d'une bonne récupération au centre Guy Desmarais, ce qui finit faire lui un bien énorme. C'est aussi le cas pour Kamadeva qui finit garder une stabilité concernant ses conditions après ce passage au centre Guy Desmarais. Emerald Ban finit contenter que du maintenance work et il affiche toujours une forme plaisante. Dans la sixième course, que deux chevaux finent travail à Floréal, notamment Rule the Night qui finit bénéficier d'une longue préparation et qui paraît fit pour son retour en compétition. Essan paraît finit bien prendre ce dernier les courses et il finit maintenu principalement l'eau sous fraîcheur physique. Dans la 7ème course, Amanla finit bien comporté sur 3 tours de la grande piste et il est toujours à son meilleur niveau. James Peter finit bénéficier de ce dernier les courses et il paraît beaucoup mieux que la dernière fois. Taranaki finit profite pleinement de ce séjour à Floréal et il finit garde une forme stable. Dans la 8ème course, San Andreas finit très bien entretenu à Floréal et cheval-là paraît très bien physiquement. Mounted Warrior finit entraîné avec beaucoup de soin et est dans une forme splendide actuellement. Allo qui Almador, pas paraît inaffecté par ce problème de serrement et lui-même affiche une belle forme en ce moment.